Dieu, viens à mon aide.
De la lettre aux Romains. Quand Dieu a envoyé son propre Fils dans notre condition humaine de pécheur pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a détruit le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que les exigences de la loi se réalisent en nous qui ne vivions pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'esprit. Les mages, avertis par un ange, regagnèrent leur pays par un autre chemin. Salutare.
toi qui fais resplendir ton Église de la lumière du Christ, donne-lui de porter témoignage aux exterminés du monde. Toi qui as conduit vers ton Fils les sages des nations, révèle ton visage à ceux qui cherchent la vérité. Notre Père, entends notre prière. Toi qui appelles tous les peuples à ton admirable lumière, donne à tout homme de rencontrer un témoin du Christ. Notre Père, entends notre prière. Toi qui manifestes au monde le temps de ta grâce, envoie des messagers annoncer la délivrance. Toi qui nous réjouis par la naissance du Christ, accorde à nos frères défunts la joie parfaite. Ô notre Père, entends notre prière. Notre Père, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as signifié par une étoile qu'un Sauveur était né pour le monde. Maintiens ta lumière en nos cœurs pour que nous entrions plus avant dans ce mystère. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Jésus vous donne, à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense, qu'il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père, pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui gloire et louange pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.